Bon voilà, salut, c'est Diablo68. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une ghillie 3 pièces. Qu'est-ce que c'est? C'est les snipers, ils portent ça pour se camoufler dans la forêt ou je ne sais où aussi. Voilà, c'est une ghillie qui est pour un peu vert, brun, tout ça quoi. Donc pas pour les zones désertiques. Voilà, donc c'est une ghillie 3 pièces, donc le bas, le haut et la capuche. Enfin ouais, pour la tête. Donc mon collègue, donc d'ailleurs je remercie tout de suite Fabi, mon collègue l'a acheté sur un site français qui se situe en Alsace, mais je tairai le nom, mais tout le monde aura compris de quel site je parle, un très gros site qui est très connu en France. Voilà. Donc il l'a acheté pour 129 €. Le tout, donc c'est quand même assez conséquent quand même je trouve. Et donc voilà, la ghillie est 100% polyester, donc c'est 100% plastoc. Voilà, donc je vais passer tout de suite au bas, je vais l'enfiler, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici pour le pantalon. Alors le pantalon, qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau des chevilles, on peut serrer avec une petite bande scratch et on peut serrer au niveau de la cheville. On peut serrer au niveau du ventre, donc avec simplement une petite tirette en plastique où il faut appuyer dessus. Et au-dessus, nous avons une bretelle, voilà, pour bien le tenir vers le haut et pas qu'il tombe. Donc c'est un habit qui se porte quand même assez large, hein. Faut pas que ça soit très serré quand même. Bon, après, c'est sûr, pas trop large non plus, hein, faut trouver le bon milieu. Voilà donc un petit peu pour le camo que vous voyez un petit peu. Je vais passer au haut et à la capuche, à tout de suite. Donc voilà pour le haut de la ghillie, donc je tourne un petit peu, voir ce que ça donne un petit peu, hein. Voilà, avec le truc pour la tête et le haut. Donc le haut, on peut serrer aussi au niveau des poignets, voilà, on a une fermeture avec des boutons, donc on peut l'ouvrir si on le souhaite, donc ça c'est pas mal, tu vas la fermer de Facebook s'il te plaît. Voilà, et ensuite pour le bonnet en fait c'est simple, c'est... je suis boca. Voilà. Donc en fait, on met simplement le bonnet et ensuite il y a un petit voile qui se met par-dessus. Donc voilà, on voit avoir plus grand chose de l'extérieur, mais de l'intérieur on voit quand même relativement bien. Donc je vais essayer de faire une mise en situation dehors, essayer de me camoufler et ma caméraman Coco va me filmer et essayer de me trouver pendant quelques petites secondes. Ensuite elle va me zoomer dessus. A tout de suite. Tu as un arbre qui bouge. Je suis un buisson. Non, mais on te voit. Mais non, je suis un buisson. Oh merde. Merci de regarder ma vidéo.